Et moi, je parie que ça sera top. Ah, il y a aussi Chloé. C'est qui ça?
ça, Chloé? La nouvelle copine de Martha. Ah, donc Martha a une copine et personne n'a rien dit? Vous avez perdu votre langue? Écoute, Philippine, tu es d'un naturel plutôt jaloux et non, on avait un peu peur de ta réaction. C'est bon. Martha et moi, ça fait un an qu'on n'est plus ensemble. C'est pas une histoire de quelques semaines qui va me déranger. Quelques semaines? Tu te passes, ça fait des mois, ouais. Il habite la moitié du temps chez elle. Tu sais quoi, Max? Moi, quoi? Parfois, tu ferais mieux de fermer ta gueule. C'est bon, c'est pas grave, c'est normal que Martin vive sa vie maintenant. Ah, c'est bien, c'est bien, d'être raisonnable. Mais je ne suis pas jalouse, mais... J'ai malencontreusement jeté ton flacon de parfum par terre. Je te rachète rien. Ouais. Vous avez bien dit qu'Aurélien sa copine ne buvait pas. Ouais. Alors pourquoi il n'y a pas une seule boisson soft dans votre frigo? Non, c'est pas vrai. Tu as oublié d'en acheter? Mais quoi? Mais pourquoi c'est à moi de m'occuper de ça? Je t'ai pourtant dit de ne pas oublier les boissons sans alcool. Bon, ça me fait bien. Je sens à l'épicerie. Toi, tu viens avec moi, j'ai besoin de boire. Quoi, tu fais encore la tête? Non. Tu me promets d'être gentille avec Chloé? Ouais, je vais essayer, mais je peux rien promettre. Bah, fais semblant au pire. T'es une fille, vous savez bien faire ça. Pardon? Bah oui, vous savez très bien faire de grands sourires en façade pour mieux cacher votre envie de tulle. Bah oui, j'oubliais qu'on était comme ça, nous autres femmes. Bah quoi, c'est vrai? Oh, tout à fait. Non mais... Ah! Ça te regarde? Oui, on couche encore ensemble. Elle est toujours aussi dominatrice à ce que je vois. C'est pour ça que tu avais tant besoin de dominer avec moi. Mais arrête ça, tu veux, c'est arrivé une seule fois. On avait dit qu'on n'en parlerait plus. Ouais, je te taquine. Mais tu sais, comme on est tout seul, ça te dirait pas un peu plus de promiscuité? Je vais ouvrir. Je suis si content de vous présenter la femme que j'aime.
C'est une étape importante dans notre relation et j'espère la franchir avec succès. Ma puce avait un peu peur, mais je l'ai rassurée en lui disant que vous étiez tous de super amis et que vous alliez l'adorer. Oh, mais Scarlett, ne t'inquiète pas, nous n'allons pas te manger. Ah, ça, non. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle est très timide. Bon, en fait... Nous ne répondons pas à sa place. Alors, qu'est-ce que tu fais comme travail? Ah, non, 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 c'est rien, Choupinette. Pour le moment, elle ne travaille pas. Et tu cherches dans quel domaine? En fait, elle n'a pas besoin de chercher sur Limoges. Je lui ai demandé de venir habiter avec moi à Paris, et elle a dit oui. C'est pas génial. T'as pensé à planquer les miroirs? Oh, ta gueule. Je suis trop contente pour vous. C'est pour quand? On va attendre septembre, quand même. Un bon bébé. Oui, bonne idée, ça. Quand les jours raccourcissent, c'est qu'il fait noir plus longtemps. Alors, Philippine, Maxime, oui. Vous comme célibataire, si je comprends bien, quand est-ce que vous allez nous présenter quelqu'un? Dites, on pourrait se faire des sorties entre couples, ça pourrait être sympa. Oh, on n'est pas très sorties entre couples. Ah, mais ça nous ferait bien plaisir. Ce sont nos amis, n'oublie pas. Bah, Scarlett est là pour une semaine. On peut faire ça un soir de la semaine prochaine. Oh, je vais avoir un emploi du temps assez chargé la semaine prochaine. Mercredi? Oui, ok pour mercredi. À l'italien près de chez moi. Et si on allait dans ce restaurant où on mange dans le noir, hein? C'est l'occasion d'essayer. Ah, ok pour l'italien. Mais si, tu adores l'antipasti. J'espère que c'est pas Martin. Bonsoir. Désolée, je suis un peu en retard. J'ai inventé toute une histoire pour pas que Martin me propose de sortir ce soir. On va pas tarder à arriver. Salut ma belle. Salut. Alors, t'as toujours pas arrêté Martin? Non, mais à la minute où ça arrive, je te fais signe, d'accord? Ah, salut. Salut. Ça. Ah, ma petite Aurélien! Ah, c'est ta fiancée! Oui. Oh, vous êtes trop mignons tous les deux, vous faites plaisir à voir! Et je t'embrasse! Et toi, tu es Philippine, je t'ai rencontrée. Et moi aussi! Je me fumerais bien petit club, moi! Dehors, c'est trop tard! Allez, s'il te plaît! Non, je descends, mais qu'au premier étage! Allez, viens, je t'accompagne! Thomas, tu oublies tes clés. On t'a longtemps caché à moi, tu sais ça? C'est vrai. Ouais, les autres avaient peur que je sois jalouse. Il n'y a vraiment pas de quoi. Non, c'est vrai. Tu sais, tu as beaucoup compté pour Martin, évidemment. Et maintenant, il est avec moi. Et puis là, oh, mon petit Aurélien. Scarlett, tu sais quoi, j'ai jamais vu rien aussi heureux que depuis qu'il est avec toi. C'est vrai que je suis le plus heureux des hommes. Tu sais quoi, Martin serait vraiment heureux de te rencontrer. Vous m'inviterez à votre mariage? Bien sûr. Oh, ouais, je te jure. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Alors, dis-moi, Chloé, tu fais quoi dans la vie? Je suis éducatrice dans un centre auprès d'enfants handicapés. C'est pas trop dur de voir toute cette misère? Bah non, tu sais, les enfants sont très heureux. On leur apporte beaucoup d'amour et en échange, ils nous en amènent beaucoup. Comme c'est mignon. Et après une journée entourée de ces enfants et de leurs problèmes, tu n'as pas besoin de décompresser? Bah c'est vrai que mon bénévole au Resto du Cœur m'aide beaucoup. Puis je fais aussi des cours de chant, la danse classique et du taekwondo. Et Martin dans tout ça? Bah si, dans les cours de chant et dans mon bénévolat. Sérieux, Martin qui chante? Non mais même de mon temps, je l'entendais jamais. J'ai peur que tu le critiques. Je critique jamais les gens. Oh, c'est pas ce qu'il m'a dit. Oh, tu prendras un toast au saumon peut-être. Non merci, je suis végétarienne. C'est du poisson. Le poisson n'est pas un végétal, tu le sais ça. Puis maintenant, Martin suit aussi mes convictions. Bien sûr, Martin, l'adepte des barbecues qui mange des légumes. Les femmes sont capables de changer les hommes. Tu sais. Arrête. Depuis que je connais Chloé, j'ai largement diminué ma consommation de viande et je me pose la question si je vais pas sauter le pas. Ah, donc c'est pour cela que t'es aussi mince. Non, ça n'a rien à voir. Adepte de la chirurgie esthétique alors? Pardon? Une simple curiosité? Pas vraiment, non. Tu te fais vomir? Non. Et tu sais, tu peux tout nous dire, hein, ça restera entre nous. Bah, non. Mais avoue-le à la fin. Mais non. Ah. Ok. Par semaine, vous faites l'amour avec Martin? Non, pas ça te regarde. Plus ou moins 4 fois par semaine? Moins, donc ok. Nous, c'était tous les jours. Pour ou contre la sodomie?
n'était pas contre de temps en temps. Tu avales? Tu sais comment garder un homme, toi? Écoute, Philippine, je crois que tu n'as pas encore digéré ta rupture avec Martin. Et du coup, tu transfères ton appétit sexuel sur notre vie sexuelle à Martin et à moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je posais à Chloé des questions sur un sujet sensible. Rien de grave, je vous rassure. Sérieux, tu te mets jamais en colère, toi? Mon cœur, oui, c'est ton téléphone qui sonne. Elle est tellement formidable. J'arrive pas à croire que j'ai rencontré quelqu'un comme elle. Non plus. Je pensais pas dire ça un jour, mais je sens que c'est la bonne. Mais viens, je suis trop heureuse pour vous. Vous êtes trop mignon. Je te revois la Blanche-Neige au pays des fées. Je vais voir ce que fait Scarlett, parce que généralement, ses appels ne durent pas si longtemps. Super, l'an prochain, on sera invité à un mariage. Attends, moi, je me demande ce qu'on va pouvoir porter pour être moins jolie que la mariée. Non, mais arrête, Julie, là, c'est pas sympa. Ça va, je te demande. Tu sais pas, ça marcherait en vieux jogging du dimanche. Mais j'y pense. S'ils se marient, ils vont faire des gosses. Thomas, toi t'as un. Oh, pas moi. T'imagines, si je dois porter le bébé dans les bras, je ne saurais même pas faire la différence entre la tête et les pieds. Oh. Max, tu me déçois. C'est vraiment une langue de vie. Arrête, Chloé, bienvenue chez nous. Hein. On aime bien dire du mal de ce pauvre Aurélien, et surtout dans son dos. Non, mais on n'en dit pas souvent. C'est juste que là, sérieusement. J'ai rien vu de si moche. Non, mais vous croyez qu'ils font dans le noir? Non, parce que là, avec un sac sur sa tête à elle, ça suffit pas. Hein. Il faut beaucoup de lumière pour voir le GPS qui lui indique la route de ça. Arrête, dégoûtant. Quoi, c'est pas dégoûtant, c'est le corps humain. À combien on tient dans l'une de ces culottes, à votre avis? Non, mais je savais Aurélien désespéré, mais pas à ce point, mais tu m'étonnes qu'elle drague sur Internet. Faire valoir sa beauté intérieure. Eh bien, justement, j'ai vu, c'est la beauté intérieure qui compte. Oh, arrête, Chloé, tu vas pas croire ce genre de choses. Sérieux, la beauté intérieure, c'est ce qu'on dit aux moches pour pas qu'ils perdent le corps. Voilà. Eh ben, justement, on parlait de vous. Ah, vraiment? Vous disiez quoi? Ah, ben, on parlait de votre mariage. Avec les filles, on a eu un débat sur ce que faisait, ce que faisait, c'est son point de vestimentaire. Oh, mais n'allez pas trop vite en besogne. Vous allez vous marier avant nous? Ça fait combien de temps? 5 ans? 7 dans quelques mois. Et puis c'est vrai, ça, chérie, on se marie quand il serait temps d'y penser. J'y pense. J'y pense. Oui, mais ça vient avant la naissance du petit. Dis. Ça va, je plaisante. Mince, on a laissé les cadeaux de Martin dans le coffre de la voiture. Vous pouvez nous donner un coup de main pour les monter? Bien sûr, j'arrive. Je crois que quelqu'un devrait rester là au cas où Martin arrive. Bah, je serais Philippine, enfin, ça paraît trop suspect si Martin a la poussée ici. D'accord. Mais pourquoi ce serait suspect? Je ne sais jamais, toi. Bah écoute, je reviens. Tu fais quoi? Rien de particulier. Et toi, tu tiens le coup? Par rapport à quoi? Par rapport à Chloé. Et pourquoi je devrais tenir le coup? C'est la nouvelle copine de Martin, comme de ta vie. Non, bah c'est bon, je m'en suis remise. Hein. Je sais que tu es jalouse. Je ne suis pas jalouse. C'est pas grave, tu sais, c'est normal d'être jalouse. Oui, c'est vrai, on l'est tous. Ah non, pas moi. Vraiment? Ah vraiment, je ne suis pas jalouse, mais... Mais? Rien. Alors pourquoi tu regardes dans le portable de ton homme? Ah, pour la 4G, la maison, ça va plus vite. Bien sûr, allez, vas-y, regarde dedans, je ne dirai pas. Merci. Mais tu sais, je pense pas que Thomas soit le genre de mec à être infidèle. Martin non plus n'avait jamais été infidèle et de toute manière, il n'aurait jamais eu assez de force pour contenter plusieurs femmes à la fois. Je compte pour 2, voire pour 3. Tu sais, il n'y a pas que le sexe dans la fidélité. Il a très bien pu avoir une relation platonique, une amitié très très particulière avec quelqu'un. De quoi tu parles? Rien. Est-ce que Martin voyait quelqu'un? Julie. Julie, dis-le-moi. Julie, je te rends ton portable si tu me le dis.
mec. Non, ils se connaissent depuis 6 mois. Vous êtes séparés depuis plus d'un an. Tu prends le téléphone maintenant. Je sais pas, peut-être qu'ils mentent. Pourquoi ils mentiraient? Pour me protéger, comme mes amis l'ont fait à plusieurs reprises. Tu connais une certaine Lola? Non, pourquoi? Elle a envoyé plusieurs messages à Thomas récemment. Quoi? Ouais, mais écoute Sarah, je vais m'endormir en pensant à ce que ton énorme... Attends, mais non, mais non! C'est dégueulasse, je veux rien savoir des détails d'anatomie de Thomas. J'ai vraiment passé une super soirée. J'ai hâte qu'on remette ça. Non, mais je rêve ou quoi? Osez nous faire ça. Ah, bah ça va. Lui, je répondrai. Ah, bah c'était vraiment agréable. Je vais plus libérer, plus douée que ma copine. Non, mais le mucle, je suis libérée. Je serais meilleure si lui aussi était meilleur. Et en plus, tu sais quoi? Il n'est pas si bien monté que ça. Mais je sais. C'est une façon de parler. Avec mon portable, ma Lucie. Il a sonné? Oui, tu as reçu un message de Lola. Connais pas? Oui, ça t'en fait plusieurs messages déjà pourtant. Et elle disait quoi? Je vais m'endormir en pensant à ce que ton énorme bite. Sens de l'humour! Thomas est vraiment très drôle, hein? Scarlett est très chaste, elle ne connaît pas les choses de la vie. Donc, toi, toi. Bon, Thomas, je peux me dire qui c'est maintenant. C'est rien, c'est une collègue qui me fait une blague. Ah, je suis morte de rire, qu'est-ce que c'est drôle. Chloé, toi qui es si gentille, si diplomate et qui me connais si bien, explique-lui, s'il te plaît. Allez, Chloé, crache le morceau. Chloé, tu es mon amie, moi aussi, je sais que tu ne sais pas mentir. Je suis désolée, Thomas, je peux pas. Il t'a trompé, Julie. Thomas, pas toi! T'es sérieux, mec? Il n'y a pas eu que Lola. Il y en a eu une autre aussi. Que tu connais très bien. Qui? Mais ça va quoi? Ça va péter! Ça va grave péter! Ça va être pire que ce que je pensais. Essayez d'appeler Martin. Regardez ça. Ça fait le salaud.
je suis pas jalouse, mais bon, je m'inquiète un peu quand même. Mais Max, qu'est-ce que tu fais? On va pas un SMS à Martin, son portable est éteint. J'écris pas à Martin. T'écris à qui alors? T'occupe. Et me dis pas que t'es en train d'envoyer un SMS à Justine. Non, Max, qu'est-ce qu'on avait dit? Il est encore en train d'écrire à Justine. Vous pouvez pas comprendre ce que je ressens. Vous êtes là, tous en couple, à vous faire des mamours. C'est dégueulasse. Moi, ce que j'ai avec Justine, c'est spécial. C'est ici. Mais ça, ça vous dépasse complètement. On est égoïste. Nos chemins se sont croisés, c'est pas par hasard. On est fait là pour l'autre. Seulement, elle ne sait pas encore. Mais primo, Max, c'est pas vos chemins qui arrêtent pas de se croiser. C'est toi qui restes planté devant chez elle. Deux yeux, c'est toujours toi qui la contacte. Et bien sûr, tu te souviens de ce que t'as dit le juge à propos du fait d'appeler. Si Martin était jaloux, on n'aurait pas ce problème. Lui, au moins, il sait gérer Max, faut pas qu'il fasse de conneries. Mais ça va, je suis pas sa mère non plus. Exactement, c'est pas ma mère. Je suis assez grand pour savoir ce que je fais. T'es pas tout seul à être célibataire, on peut facilement y remédier. Et du calme, tous les mecs sont pas amoureux de toi, Miss Monde. Parce qu'ils te préfèrent peut-être Miss Parfaite. Ces crétins aiment peut-être être brossés dans le sens du poil, mais ce qu'ils aiment surtout, c'est le sexe à pile et ce qu'on est capable de leur faire au lit. Oui, ils couchent peut-être avec toi. Mais c'est avec moi qu'ils veulent faire leur vie. Phil, je crois qu'on a eu notre lot de violence pour aujourd'hui. La violence, c'est mal. Ça ne résout rien. Arrête de dire des généralités, mais quel grand penseur tu fais! Oh, les enfants c'est tout mignon, le sexe c'est caca, les oiseaux ça sent bon, et puis les enfants, et bah aussi ça sent bon. Oh, qu'est-ce que ça te rend con l'amour! Oui, j'avoue, mais j'avais jamais ressenti ça avant. Ouais, bah c'est bien ce que je disais, hein? Bon, laisse-moi passer maintenant. Ah! Ok. Bon, c'est bon, tu peux me lâcher maintenant la grosse. C'est bon, là, j'ai appelé Scarlett la grosse, comme j'aurais pu appeler Chloé la minuche ou Julie la bigleuse. Ah ouais, bah c'est pas sympa. Tu dois les excuses à Scarlett. Les excuses? Écoute, Scarlett, je suis désolée, d'accord, c'était vraiment pas sympa. Mais si tu savais ce que les autres ont dit sur vous tout à l'heure, je crois que le mot désespéré a été utilisé pour désigner Aurélien. Thomas a bien rigolé en imaginant la taille de tes culottes, Scarlett. Maxime a proposé que toi, Aurélien, tu utilises un GPS pour trouver l'entrée de sa chatte ce soir quand vous coucherez ensemble. Eh ben oui, Scarlett, ce soir c'est le grand soir. Tu vas voir le loup pour la première fois. Et crois-moi, pour l'avoir vu, il n'est pas si méchant que ça. Non. Mais pas. Attends. Je t'ai menti. C'est vrai, je ne suis plus vierge. Mais c'est arrivé une seule fois avant que tu fasses ton apparition dans ma vie. J'étais désespéré de trouver un jour mon âme sœur, alors j'ai calmé mes pulsions dans les bras de la première fille qui était d'accord. Et puis peu de temps après, je t'ai rencontré et j'ai regretté de ne pas avoir attendu pour le faire. Si j'avais su, j'aurais pu attendre quelques semaines. Mais pour moi, ma vraie première fois, ce sera avec toi. Je t'aime, mon petit. Attends, tu vas coucher avec Aurélien, mais tu couches vraiment avec n'importe qui. C'était juste après ma rupture avec Martin. Et tu étais déprimée, on connaît la chanson. On t'a pas sonné. Et Maxime? Quoi, Maxime? Ouais. Quoi, Maxime? Non, mais attends, mais je croyais que t'avais vraiment envie de moi, que c'est pour ça que t'es différent. Attends, ça va avoir ta crise de jalousie. D'ailleurs, c'est pas sûr que tu fasses la nuit signée suivante. Mais je croyais que c'était oublié de pardonner. Pour Philippe une nuit, elle avait une excuse, elle. Vous voulez peut-être que l'on sorte? Chut. Oh, faites pas attention à nous, c'est super intéressant. Allez, dormez. Et donc pour moi, c'est impardonnable? Oui. Pourquoi? Parce que Philippine est plus malheureuse. Malheureuse? Au point de soudainer tous les mecs de la bande. Ce n'est pas une raison pour coucher avec elle. Tu imagines si on devait coucher avec toutes les personnes à consoler? Ben, la vie serait une orgie. Ce serait trop cool. Je me demande comment ça va finir cette histoire. Je sens qu'elle va le foutre dehors et je vais devoir l'héberger. Arrête, vous nous prendrez un truc pour qu'elle en s'attend pas. Non, ma pichounette. Elle a dit tout à l'heure qu'elle n'était pas enceinte. Mais elle a peut-être menti, ceci dit. Ok. Je n'étais pas malheureux.
Mais j'étais dans une phase de confusion, ce qui m'a rendu vulnérable. Excuse. Je me demandais si j'avais envie de continuer à faire ma vie avec toi, si ça valait le coup de rester. Je l'avais dit, quelqu'un va dormir dans mon bulletin ce soir. Et où tu vas là? Où tu vas? C'est pas fini. Oh. Et Philippine, elle s'est résolue des problèmes? Et Lola? Elle aussi s'est résolue des problèmes peut-être? Oui, elles m'ont aidé toutes les deux. Elles m'ont permis de faire un choix. Tu aimes l'une d'entre elles? Mais non, mais... Elles m'ont permis de répondre à une question et... Et toi? Toi, tu vas répondre à une autre. Tu veux m'épouser? Tu vois la technique de la garce? Bah, ça marche pas. Quoi? Allez, répète un peu! Quoi?
te voit comme une garde. Après tout, c'est peut-être un peu le côté. Allez, viens te battre. Viens te battre. Allez, attends. Tu veux rien? Bah oui, je veux pas faire un jeu. Non, tu promets les gentils. Mais vous pouvez laisser un message après le... Hey, salut les gars, c'est Martin. Je suis désolé si j'ai dû bosser tard. Je sors à peine du boulot. Mes parents sont venus sur Paris pour me faire une surprise pour mon anniversaire. Ils m'emmènent au resto. Je peux donc pas passer chez vous ce soir. A très vite, bisous. Oh le bâtard. Je suis pas jalouse, mais cette histoire de bosser tard, j'y crois pas trop. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis sympa, je suis pas chiante. Peut-être que je couche pas assez. Non mais Chloé, franchement, quand Martin et moi on était ensemble, je rentrais aussi super tard. Ouais. Mais putain, qu'est-ce qu'on se couchait? Désolée pour ton genou, Philippine. C'est pas grave, ok? On va aller changer les idées. Hmm? Ça te dirait d'aller en boîte? Ouais. Ok, cool. Super, ouais. Super idée. Dis-moi, tu utilisais quelle technique quand Martin et moi voulaient? Alors, je vais t'expliquer tout ça. Non, c'est pour ça que t'as libéré. Ouais. C'est j'ai petit. Ah non. Et alors, des boules caisses? Des boules caisses. Attends, ça marche bien ça. J'ai trouvé. Hein? Non. J'ai peut-être fiancée, mais j'ai pas oublié. Attendez-moi les filles, j'ai envie de mes choses ce soir. Je vais y aller aussi. D'ailleurs, je crois que je vais pas revenir. Il me semble que Limoges est une belle ville. Je pourrais y rencontrer de nouveaux amis qui seront réellement sympas et qui parleront pas dans mon dos. Des amis qui nous aimeront, Scarlett et moi. Et qui se battent pas, qui foutent pas la merde. Au revoir les gars. Ce fut un plaisir. Oui. Aurélien, tu oublies ton truc dans le salon. Adieu. Eh bien. Quelle soirée. Je pensais pas du tout que ça allait finir comme ça. Et bon, forcément, quand on laisse des gens comme ça, tout seuls, en une soirée, dans une même salle, ça finit toujours par s'engueuler. C'est inévitable. C'est des vérités qui tombent. C'est triste. Ça m'enlève toute foi en l'humanité. Mais bon, il reste nous, hein. On est potes, hein. Allez, allez pour la vie. Oh. Mais tu vas la fermer, oui! Mais si tu savais un peu la fermer, tout ça n'aurait pas eu lieu! Mais qui c'est qui a parlé de Chloé à Philippine? Toi? Qui a critiqué Scarlett en premier? Toi? Qui a foutu la merde dans le couple de Chloé, Martin? Toi? Toi, parce que tu ne sais pas te tenir en soirée, il faut toujours que tu te dises ou que tu fasses une connerie! Mais tu nous caches le lien à tous! T'arrêtes pas de finir bourré sans arrêt! Mais fais-moi plaisir! Et casse-toi de chez moi! Xavier, c'est pas moi qui ai trompé, je le lis. Et oui. Mais tu vas me gâcher, oui! Thank you.
Je voulais lui montrer les choses.
Champs-Élysées, il y avait du rang. Et tout d'un coup, pouf. Pouf. C'est comme si elle s'était évaporée. C'est pourtant difficile d'évaporer telle masse. Je devrais pouvoir retrouver la femme que j'aime parmi les milliers de gens. Le cœur devrait pouvoir me guider vers elle. Mais là, impossible. Je l'aime peut-être pas assez. Non, mais dis pas ça. Tu vas la retrouver. Elle est sans doute pas loin. Ça se trouve, elle doit être à côté, qui sait. J'ai pensé que, comme elle connaissait pas la ville, elle serait revenue ici. Désolé. Si jamais vous la voyez, vous pouvez me tenir au courant. Bien sûr, ma vie. En fait, ma fille, jolie robe. Merci. Merci. Je regrette ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes de super amis. Oh. Je sais que je peux vous faire confiance. Oui. Je vais continuer à la chercher. Ne touche pas!
t'ai donné mon cœur et toi tu l'as déchiré, éparpillé. La vie n'a plus de sens. Mais non, 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 non. N'avancez pas, sinon je plane à l'autre vous. Écoute Aurélien, il ne s'assemble rien de passant pour Scarlett et les garçons. Quand je suis arrivée, je les ai trouvés tous les deux allongés l'un sur l'autre. Scarlett, elle était où? Dans la chambre. Toute seule? Mais oui, toute seule. Moi, je ne crois pas. Écoute Aurélien, tu as deux qui ont couché ensemble ce soir, c'est Thomas et Maxime. Oui. Scarlett n'y est pour rien. Elle faut pas l'écouter, c'est n'importe quoi. Elle a dû prendre le même truc que Chloé. Oui, oui, oui. Donc c'est pour ça que tu portes pas de culotte, cochonne. Vous avez trop raison, faisons l'amour et pas la guerre. Allez, tout le monde à poil. Non, non. Arrête de choquer les gens, ça suffit, arrête. Vous me le jurez? Mais oui. Non, je ne crois pas. J'ai plus confiance. Non, 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 adieu. Non, 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 mon amour attend. Eh oui, elle parle. Je te promets de ne coucher avec aucun de Guignol à l'université. Yes. Je m'étais perdue un peu, je me suis trouvée en bas de l'immeuble, je suis montée et la porte était ouverte, alors je suis rentrée. Ils étaient tous les deux en train de ronfler à son canapé. J'allais m'allonger dans la chambre pour me reposer et puis ils n'avaient rien dit, juste pour les faire chier. Ah, tu vois, je t'ai pas trompée. Parce qu'elle n'avait pas couché avec vous deux, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Oh, mais accorde-moi le bénéfice du doute, tu veux. Repartons de zéro. Prends une semaine de congé et partons ensemble au bout du monde. Pendant cette soirée, t'as raison, partons. À notre tour, organisons le mariage. Ah, le mariage, ma chérie. Je suis désolé, mon ange, de ne pas t'avoir cru. Tu me pardonnes? Eh ben, t'étais bien, tu finis bien. Que me sirve, ay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si no te quiero, ay que me quiera. Thank you.
par cette température, tu viendras à Paris. Donc si vous êtes passé par un réseau de réservation en ligne, merci de laisser un commentaire. Un bon commentaire.